Ah, bonjour à vous, les petits-enfants. Salut tout le monde, Céline. Aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro et cette fois-ci on s'intéresse tout de suite à un bon petit jeu de plateforme très style vintage et qui sort tout droit de chez Studio Konami, à savoir Tiny Toons Adventure Buster Hidden Treasure, un jeu mettant en scène les célèbres Tiny Toons, qui est un petit peu les Warner Bros version mais version à ado, on va dire. Et pourtant, ce jeu, franchement, il mérite vraiment d'être testé au moins une fois dans la vie. Donc, le jeu est sorti aux alentours de l'année 1992 sur Sega Genesis. Voilà, donc on contrôle Buster, qui est un petit peu la version miniaturisée de Bugs Bunny. J'en profite également pour faire une dédicace à tous les fans des Tiny Toons. Alors très sincèrement, je ne suis pas un grand fan des Tiny Toons, mais là franchement, ça mérite franchement d'être testé. Alors, voyons. Ok. Ah oui, le jeu est sorti sur Sega Genesis. Et édité par Konami. Alors attends, parce que là... Super, on peut. Enfin, d'accord, j'ai compris. D'accord, hop. D'accord, ouais. Ah, je sais pas. Bon, visiblement, on peut pas ramasser les items qui traînent. Enfin, si, on peut ramasser les items et. Et pas les ordures. D'accord. C'est la première fois que j'y joue à ce jeu. C'est la première fois que je joue à ce jeu. Et pourtant, ça me rappelle une fois, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà testé un jeu Tiny Toon sur Game Boy Advance. Il me semble que c'était sur Game Boy Advance. Un jeu plutôt sympa. Ok. Mais ça va, le jeu est vraiment sympa, franchement. D'ailleurs, j'ai entendu dire que franchement qu'il va y avoir une deuxième série qui va voir quasiment le jour. Attention, MS! Ah zut, je me suis cassé la voûte. Bon, tapis, c'est pas grave. Bon, évidemment, ce jeu est tiré de la célèbre série Les Tiny Toons qui est apparue dans les années 90. Et j'ai entendu dire qu'il va y avoir une deuxième série qui va voir le jour, au même titre que les Animaniacs. En ce moment, faire revenir des anciennes séries, c'est devenu à la mode. Voilà. Attends, on va peu. Donc, contre le poster, vous pouvez sauter sur les ennemis, pousser des rochers, ramasser des items. Alors, les seuls items que vous allez croiser, ce sont ces carottes. Voilà. Oh mince, oh là 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 là, c'est... Ah, il faut vérifier des ennemis. Alors, ça va à l'encontre de ces espèces de corbeaux qui se trouvent juste là. Ensuite. Oui, d'accord. Ok, Buster se prend, comment dirais-je, pour Sonic. Yeah, c'est génial. D'accord, Buster se prend pour Sonic le hérisson. C'est bien. Ok, ouais. Attends, est-ce qu'on peut. Oui, attention. Au rongeur, voilà, super. Voilà. Ah oui, je crois que je me souviens de lui, le rongeur qui se trouve juste là. Si je me souviens bien, c'est un ennemi récurrent de la franchise Tiny Toons, qui appartient à une école rivale où travaille où les dans l'université Acme. Voilà, c'est ça. Qui s'appelle Perfecto, quelque chose comme ça après. Oh, ça fait des années que j'ai pas regardé la série Les Tiny Toons. Alors que je fasse une vidéo critique là-dessus, tiens, pourquoi pas. Voilà. Allez, attends. Attends, est-ce qu'on peut. Oui, descendre. Oui, on va descendre en bas, super. Attends, bon, excusez-moi, j'inspecte juste un petit peu les environs, juste histoire. De savoir ce que ça donne. Ouais. Ah d'accord, bah ça donnait vers le haut, là où j'étais, comment dirais-je, j'étais monté. Qu'est-ce que... Oula, j'ai pas compris. J'ai l'impression de m'être mangé le mur. Yahoo!
Ouais, ça va, c'est surposant, dis donc, comme... comment dirais-je... Ah, on retrouve notre ami Dodo. Alors Dodo, si je me souviens bien, c'est un personnage récurrent des Teen Toons, qui fait référence à un autre personnage des Looney Tunes, justement, qui est... Où... Attendez, si je me souviens bien, si je dis pas d'annerie, c'était dans une aventure de Porky qui part en Afrique pour aller capturer le dernier des Dodos. Hein. Face à un de ces jours que je fasse, comment dirais-je, une vidéo sur, comment dirais-je, sur les séries Warner, et pourquoi pas aussi les films, je sais pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le proposer. Hein. Je suis preneur. Allez, on continue, mesdames et messieurs. Bon, D'ailleurs, il existe d'autres jeux Tiny Toon, il y a une version Super NES. Mais très sincèrement, je préfère autant. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Oh là, oh là! Oh là, attendez. Oh mince! Oh là, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Je n'aurais peut-être pas dû, comment dirais-je, descendre vers le bas. Oh mince! Attends, parce que là. Oh la messe! Oh la... Ah messe! D'accord, je me suis fait écrabouiller. Ok! Oh super! Génial! Genre, de la bouillie de lapin! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, c'était notre premier échec, c'est pas grave, on va pas non plus se leurrer. Yahoo! Eh la messe! Attention! J'espère que. Non, ah messe! Ah putain de Ranger de merde! Bon, c'est bon. Ok, là, bon, ok, là, je serais qu'il ne faut en aucun cas descendre. Voilà, cette fois-ci, je me laisserai pas avoir une deuxième fois. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Eh, hey, Buster, calme-toi, hein. Et essaie de réfléchir avant d'agir. Là, oula! Ok, allez, on continue. Bon, visiblement, on doit ramasser des petites carottes sous le regard des espèces de panneaux représentant Montana Max, l'ennemi juré de Buster, qui est un petit peu le clone, on va dire, le clone adolescent de Yosemite Sam. Oui, alors, c'est un petit, les personnages des Tiny Toons, comme je viens de vous dire, c'est littéralement les personnages des Looney Tunes en version gamin. Buster, c'est Bugs Bunny. Plucky, c'est Daffy. Ensuite, attends, comment il s'appelle déjà? Anton, c'est Porky. Petit Minet, c'est. Et Sweetie, c'est. Comment dirais-je? Titi Gros Minet. Logique. Bref. Bref, franchement, la série est assez sympa. C'est une émission très bien très vintage, très cultissime. Oh, et cela qui m'énerve, sérieux, oh là là. Bref, ça va, c'est sympa. Franchement, les jeux, oui, les jeux Tiny Toons sont assez sympas. Et la série est sympa. Attends, est-ce qu'on peut... Ouais, attends, ouais, j'ai peut-être pas trop envie de monter là-haut. Oh là. Ouais, on peut... Ouais, d'accord, oui, on ramasse encore des carottes. Et tout le monde sait que les lapins kiffent à mort les carottes. Que ce soit en carottes râpées ou au four. Ou à la vapeur. Voilà. On continue. Attention, encore notre ami. Attendez, si je me souviens, le nom de ce personnage-là qui se trouve juste là, c'est Roderick. Comme je viens de vous le dire, c'est un étudiant qui est dans une école rivale qui s'appelle Perfecto. Bref, s'il le faut, j'essaierai de vous expliquer à quel point la série Tiny Toons a marqué les esprits. Je me souviens encore à l'époque, j'avais dit, cette série était passée, comment dirais-je, dans diverses chaînes, notamment dans Décode Pas Bunny. Hein. Oh la vache! Oh, il va falloir que j'en fasse une vidéo là-dessus, tiens, pourquoi pas? Décode Pas Bunny. Oh putain, c'était le bon temps, sa mère. C'était le bon temps, c'était le bon temps, c'était le bon temps, c'était le bon temps, c'était le bon temps. Alors.
Bref, si vous aimez, comment dirais-je, les Tiny Toons, bah, ce jeu est fait pour vous. Et si, bien évidemment, vous voulez que je fasse, comment dirais-je, ouais, ça, je suis mort après avoir entré co en contact avec ces. Les clones de Roderick. Non mais. Ah, et en plus, je suis obligé de recommencer tout le début. Mais oui, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouh, super. Allez, Buster! Yahoo! Yahoo! Attends. Oh, oula, j'ai eu peur. Ah, une vie. Oui, alors, hormis les, comment dirais-je, les carottes que vous devez, comment dirais-je, ramasser, il y a aussi les d'autres items, évidemment. Et, attendez, ouais, attendez, oui, oui, on va aller là-haut, pourquoi pas. Non, peut-être pas aller là-haut. Enfin, aller là-haut. Ah, mince, c'est dommage que je ne puisse pas ramasser l'item qui se forme de cœur. Oui, les cœurs représentent la vie. Les carrosses et les points. Et les portraits même avec la tête de Buster, c'est les vies supplémentaires. Attention, oula, 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 attention, oula! Oh là là, où est-ce que j'ai atterri? Où est-ce que j'ai atterri? Attendez. Qu'est-ce que. Oula. Ah, encore un autre cœur. Ouais, mais bon, c'est bien, mais bon, je préfère autant. Oh là là, oh mais ce, oh là là, c'est, oh, j'aurais peut-être pas dû, comment dirais-je, aller vers le bas. Bon, attention, non, 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 mais qu'est-ce que, oh là là, oh là, oh là, mais c'est tendu, mesdames et messieurs, c'est tendu. Mais, Booster, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi, t'agites pas comme ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Bon allez, on va essayer de terminer le niveau. Mais bon, mis à part ça, franchement, c'est un petit let's play à la cool. Mais vraiment un let's play à la cool. Moi qui ai perdu l'habitude de tester des jeux de plateforme, mais là ça va, franchement ça passe. Et attendez, oui. Attends, attends, si je me souviens bien, c'est là où j'ai. Voilà, j'ai été buté. Mais allez, défends-toi, Buster, s'il te plaît. Voilà. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Merci, Dodo. On passe par le petit trou noir. Et voilà, c'est terminé. Voilà, j'ai terminé le niveau. Bon, qui était un petit peu dur, certes, mais ça va. Franchement, ça va, ça va, ça va. Franchement, on peut vraiment pas. Franchement, quand on y joue et quand on l'étudie bien et qu'on a la bonne manœuvre, ça va. Il est pas difficile. Non, il n'est pas difficile du tout. Et voilà, mes amis et messieurs, je propose qu'on s'arrête donc ici. Bon, c'était juste un petit let's play à la cool. Franchement, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un petit let's play à la cool. Voilà, donc bref, c'était donc Tiny Toon Adventure Buster Island Treasure, sorti autour de l'année 92 et quelques sur Sega Genesis ou Sega Mega Drive, ça dépend comment on l'appelle, édité par Konami, ce qui est assez rare parce que Konami, ils ont fait souvent des jeux basés sur l'univers des Tiny Toons. Bref. Ce jeu, franchement, est vraiment destiné aux fans hardcore de la franchise Tiny Toons. Donc, n'hésitez pas à le tester si ça vous tente. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Suivez comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.